Bonsoir. Nous voici. Bonsoir. Bonsoir. Vous accablez avec beaucoup de détails. Mais juste deux idées fortes, juste pour commencer. C'est que nous, on aime communiquer à nos visiteurs ici. Alors, quelque chose d'assez connu, c'est ici que l'Europe a commencé, l'Europe qu'on la connaît aujourd'hui. Et c'est quelque chose qu'on aime d'insister à nos visiteurs. C'était ici, dans cet exact lieu, et ici, juste en face du puits qu'il y a dehors, que j'ai amené avec Robert Schuman, quelques jours après le 9 mai 1950, on discutait de la déclaration Schuman. Et jusqu'à 9 versions ont été écrites ici sur place par Monet et ses collaborateurs dans le jour précédent à la déclaration du Salon de l'Horloge le 9 août. Alors, on est évidemment très fiers de ces faits. Le Parlement européen a acheté 80 et depuis lors, le musée a évolué pour recueillir beaucoup de témoignages, des meubles, des objets qui appartenaient à Jean Monnet. L'autre idée forte, c'est ça peut-être moins connu, et nous, avec ce que j'appelle un peu le premier laboratoire de l'intégration unique pour les deux pays pour faire face à la guerre. Ça lui a valu, juste après, d'être nommé, en 1919-20, secrétaire général adjoint de la Ligue de la Société des Nations. Pardon. Ah, j'aime bien cet escalier. Alors, là, c'est la prise chronologique, d'abord. Ça recouvre depuis sa naissance. Oui, c'était avant lui, puis c'est sa naissance. C'est un allemand, anglais, français. Ah, et puis, on peut déployer d'autres faits autour de ce voyage au Canada. Et ça comprend aussi de la vidéo, aussi. La déclaration sur le monde. Voilà. Son père, il est là. Oui, je le cherche. Ah, oui, c'est vrai. La salle de l'Orati est connue pour l'Orati. Vous êtes allé parler, c'est des choses aussi qu'on a fait nous-mêmes. On peut par exemple choisir. On va se prendre une autre. C'est bon, peut-être. Voilà. Alors, on va choisir. Oui, votre chance. Un fameuse, sich oft zu Hause am Esstisch. La Deuxième Guerre mondiale a provoqué une perte de vie humaine. Comment cela s'est passé entre les pays européens? C'est sa voix. Oui. Qu'est-ce que ça donne un jour, comme action des institutions. Nous devions donc c'est avoir une voix qu'on reconnaît différemment. Mon idée, c'était de construire. Une fois par jour, pour lui demander son avis sur des sujets politiques. Pour que chacun puisse poster son propre histoire en lien avec l'Europe. Ah, je ne pense pas qu'il faut montrer cette photo-là pour annoncer le climat. Asseyez-vous, mes chers. Comment on écrit l'âme de l'Europe? On va écrire l'âme de l'Europe. A avec un A. Oui. Et si on écrit ici, le C, il a une CD. Non. Ici? Non. Ok. Ici, on retrouve l'âme. Retrouve, merci. Retrouve l'âme. Vraiment. Une bonne. Les mots. Merci beaucoup. Voilà, merci.